la base, c'est l'histoire qu'une amie à moi a vécue. Et moi, j'étais témoin de ça. Et je me suis dit que je voulais en parler dans un film. Totalement. On est nés pour ça. Non, rien à voir. Rien à voir. Ça y est, cette thématique, j'avais fait un mini documentaire sur ça l'an dernier. Et là, ce court métrage, normalement, sinon je passe à autre chose. Un court métrage qui me tient beaucoup à cœur, que je compte réaliser dans pas très longtemps. Et après, on verra où la vie nous mène. Déjà, une grande fierté. Une très grande fierté parce que le prix du public, en fait, le public, c'est le premier preneur. Donc, une grande fierté. Déjà, on ne comprenait pas, on votait pour nous. Donc, ouais, c'est ça, une grande fierté, on est content. Et l'objectivité du public. Voilà, exactement. On est très fiers. Il est assez long, mon parcours, mais moi je suis un autodidacte. Je suis passé par certaines associations dans mes jeunes années. Puis après, j'ai réussi à intégrer la FEMIS, qui m'a donné une formation dans tout ce qui est la réalisation, direction d'acteur. Et m'a permis d'approfondir mes connaissances sur certains domaines comme la production, l'exploitation, etc. J'avais fait un court-métrage qui se nomme « Natou pour elle », qui raconte l'histoire d'un fils qui est prêt à tout pour exaucer le dernier souhait de sa mère, qui est de mourir au Mali. Et là, j'ai décidé pour ce court-métrage d'aborder un thème un peu plus compliqué. Mais pour moi, c'était un thème, je pense, qui nécessaire et d'utilité publique, en fait. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce film sur les violences policières et d'avoir pris ces acteurs avec moi. Voilà. Merci infiniment, merci beaucoup. Comme je le disais au tout début, c'est vous les premiers preneurs. Donc merci infiniment. Un grand merci à vous. Un grand merci à ouais. Vraiment, un grand, grand merci. Et on va revenir plus fort encore et essayer de tout le temps vous proposer quelque chose de nouveau. Prendre des risques à chaque fois. Voilà. C'est On verra demain, c'est un film qu'on a réalisé d'abord pour le festival Petit Clap. C'est un film où on n'a pas eu tout le budget, donc c'est-à-dire qu'on a filmé avec notre cam, on a pris notre matos son. Si ça coûtait 10 euros, je crois. C'était ouais, 10 euros de budget. Et du coup, on a tourné le lundi et le mardi soir, le film il était monté, donc en deux jours, donc c'était ultra speed. Et c'est pour ça qu'on a essayé dans le film d'avoir qu'un lieu, c'est la voiture, et voilà. Pourquoi ? Bah en fait, pour être honnête, j'ai pas eu trop de choix parce que c'était un festival où il y avait un thème. Donc c'était les violences faites aux femmes dans l'espace numérique. Après, si j'ai participé, c'est parce que j'avais des choses à raconter. Et du coup, voilà. Donc je suis très content que ce film qui était fait pour un autre festival ait parlé à un autre festival où c'était pas les mêmes thèmes, pas les mêmes contraintes. Et du coup, c'est cool. C'est cool. Merci. Ah non, ça fait plaisir parce que le jury c'est professionnel, c'est peut-être un peu plus technique, un peu plus comment ça a été réalisé, comment machin. Et le public c'est brut, c'est direct, c'est le premier ressenti, il n'y a pas de fioriture. Et, donc, ouais, le public au final c'est ce qui importe le plus, de manière générale, dans le sens où c'est pas le jury qui va faire tes entrées en salle si on est sur du long métrage, c'est le public. Donc faut pas dénigrer quoi, le public c'est tout. Donc, merci au public. Merci au public. Merci au public. Bah, c'est plutôt une grande joie quand même d'avoir le prix du jury. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de professionnels qui reconnaissent que ce qu'on a fait, pas trop mal pour avoir un prix, mais c'est plutôt chouette. Donc plutôt beaucoup de joie et oui, une petite fierté aussi de pouvoir annoncer derrière à notre équipe, à nos comédiens, on est allé jusqu'au bout avec ce film et qui a des récompenses. C'est plutôt chouette. Alors notre parcours, Charlotte, elle est en général assistante réalisatrice et moi je suis directeur photo. Donc là on s'est mis ensemble sur ce projet parce qu'on voulait réaliser un film. Charlotte a commencé à faire le scénario à partir d'un documentaire, m'a proposé de la rejoindre et du coup c'est notre premier film en tant que metteur en scène.
Et sinon, le parcours du film, bah, maintenant il a un an et demi à peu près. Et bah, il a fait pas mal de festivals, il a pas mal voyagé dans le monde, il a eu quelques petits prix et bah, on espère que ça va continuer. Faut y aller quoi. Faut y aller parce que personne le fera à ta place si tu le fais pas. C'est assez dur, je pense, de trouver surtout des financements pour faire son film. Donc il faut s'armer d'une bande de copains et puis il faut y aller quoi. Nous on a fait notre film quasiment qu'avec des amis. On avait juste une toute petite boîte de production pour tout ce qui était les papiers, légalement, etc. Mais sinon c'était vraiment tous nos amis qui sont venus nous aider. J'avais tout ça, c'était les enfants d'amis, c'était ses neveux. Enfin, il faut se lancer en fait, il faut pas... Il y a beaucoup de choses qui vont faire que ça va être compliqué. Mais si en plus on n'ose pas le faire, je pense qu'on va avoir peur. Moi je dirais qu'il faudrait être sûr de son histoire, de son scénario, d'aimer ce vers quoi on va. Parce que souvent un premier film de jeune réalisateur, on part sur quelque chose parce qu'on a envie de réaliser, puis au final, c'est pas forcément quelque chose qui tient beaucoup à cœur, et c'est tellement de travail de faire un court-métrage dans ces conditions de bénévolat, où on doit demander des services à tout le monde, où on doit soi-même s'impliquer énormément, que si c'est pas pour quelque chose qui en vaut la peine, où dès le début on en est sûr, on a déjà réglé les questions de cohérence, d'être certain que c'est ça qu'on veut raconter, il y a moyen de trébucher, de peut-être pas finir, ou de rendre quelque chose dont on n'est pas fier, et il n'y a rien de pire que créer quelque chose dont on a honte, donc il faut... Non mais c'est vrai. Donc il faut, voilà, être sûr de son histoire. Être sûr de son histoire.